La princesse Béatrice s'est mariée avec Eduardo Mappelli Mozzi en 2020 lors de la pandémie de coronavirus. La princesse a choisi un diadème spécial pour l'occasion avec des liens vers deux autres membres de la famille royale. La princesse Béatrice, 34 ans, et Eduardo Mappelli Mozzi, 39 ans, se sont mariés le 17 juillet 2020 à la chapelle royale de Tous les Saints, Royal Lodge, Windsor en 2020. La cérémonie devait avoir un nombre limité d'invités en raison de la pandémie de coronavirus qui était toujours en cours à l'époque. Point. Il y avait environ 20 amis et membres de la famille présents, dont les parents des mariés, ainsi que feu la reine et le prince Philippe. Pour le mariage, Béatrice a ébloui dans une robe recyclée du placard de la reine Elisabeth qu'elle portait dans les années 1950. La princesse des York portait également une belle tiare avec des liens étroits avec le défunt monarque, Claire Adler, la fondatrice de Claire Adler Luxury Professeur. A déclaré à Express. Pour son mariage avec Eduardo Mappelli Mozzi, la princesse Béatrice a décidé d'étourdir dans l'emblématique fringe tiara pour sa journée spéciale. L'expert a donné un aperçu des bijoux qui sont inclus dans le diadème unique. Claire a déclaré. Ce diadème éblouissant comporte 47 barres de diamants qui sont divisées par des pointes en métal pour créer une déclaration unique, moderne et élégante. Ce diadème a des liens étroits avec la reine Elisabeth II, ce qui explique pourquoi Béatrice a peut-être voulu le porter à son mariage.